C'est ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve de la crème de marron, d'accord, ou de la confiture, selon comment on veut l'appeler. On a également des marrons naturels, donc là, c'est tout ce qui accompagne les viandes, les pommes de terre, les plats en sauce, la plupart du temps. Voilà. Ensuite, on a des sablés, tout à base de châtaigne, quoi qu'il arrive, donc à l'orange, et on a des sablés également aux épices aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, on fait une quatrième transformation qui est du potimarron à la châtaigne. La châtaigne, donc voilà. Sans la châtaigne, pas de salut. On est d'accord, voilà. Et tout vient de l'Ardèche, tout simplement. Donc, je travaille dans le spectacle normalement, et comme vous savez, le milieu de la culture en ce moment est un petit peu bloqué. Moi, je suis magicien illusionniste à la base. Et oui, comme quoi. Et là, cette année, ben, toutes les dates sont annulées. Donc, la magie mène à tout. La magie mène à tout. Donc, du coup, j'ai des châtaigniers également, donc sur Entraigues et Genestel. Et j'en ai ramassé 6 à 7 tonnes cette année. Donc, on a fait un petit peu de transformation et on s'est dit, ben, pourquoi pas les marcher. Ouh là là, les châtaignes, ça doit faire plus de 20 ans, 25 ans que je les ramasse. D'accord. Mais je n'avais jamais fait transformation. Alors, est-ce qu'on peut vivre de la châtaigne en Ardèche ? Moi, je pense que oui. Voilà. Eh bien, merci à vous et bonne chance. Eh bien, merci à vous. Oui, bonjour Marc. Bonjour. Voilà, nous sommes chez un apiculteur installé. Vous êtes installé à quel endroit ? À Aubenas. À Aubenas. À Aubenas. Et depuis combien d'années ? Alors, c'est ma troisième récolte. Et je suis autour d'Aubenas, donc Juvinas, le patois Ardéchois. J'ai du miel de lavande qui vient de Drôme, par contre, Marsanne. Et c'est une reconversion, voilà. Avant, j'étais industriel et bon, ben, on a choisi un petit peu de partir dans la nature et de faire du bien à la planète avec les abeilles et de se faire plaisir par la même occasion. Voilà. Voilà. Eh bien, on vous remercie, on vous souhaite un bon marché. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour.
Bonjour Céline. Bonjour. Alors nous sommes au stand d'une couturière là, oui. Qui débutante. Débutante qui va nous dire comment elle est venue à ce métier. Ah, oh, c'est pas un métier, c'est plutôt un plaisir. En fait, j'ai commencé par faire les masques pendant le mise à part. Et puis de bouche en oreille, est-ce que tu peux me faire une pochette? Est-ce que tu peux me faire des trousses, des trucs? Et après, ça s'est avéré que on m'a dit qu'il faut se lancer dans un petit marché de Noël, parce que c'est assez joli. Et donc, je devais faire des marchés de Noël. Et ça, c'était un petit peu annulé. Mais ah oui, c'est voilà. Et vous avez la tension dans l'île? Non. Il faudrait que je fasse 2000 euros par mois, mais non, c'est pas possible. Voilà, vous avez par ailleurs une autre activité. Voilà. D'accord, c'est un complément. C'est un complément de plaisir, voisin. Eh bien, vous souhaite un bon marché. Ben, merci, c'est un joli complément. Merci. Je vous présente ma sœur qui fait aussi qui va vous expliquer ce qu'elle fait. Bonjour, ben moi c'est Audrey Vol, je fais des massages bien-être à domicile ou à mon cabinet, qui est au fond de Bonnard. Voilà. Et c'est une activité qui est récente? Oui, tout récente. Ben, ça a été arrêté avec le Covid, donc le confinement. Et puis là je reprends ma maison, donc je le fais chez moi. Et c'est fait avec des huiles essentielles, des huiles végétales et bio. Très bien, et vous avez été formée à ce... Oui, j'ai fait des études, et avec des pierres d'argile aussi. C'est des pierres chaudes d'argile aussi. Ah oui. Voilà. Bonjour. Bonjour Claire. Bonjour. Claire de la Moyenne des Orgues, elle va nous expliquer un petit peu comment elle vit là-bas, au bord de sa belle rivière. Eh ben, on vit très bien. Donc avec Samuel, mon mari, on a une production de... Enfin, on a des cultures de plantes aromatiques et médicinales et aussi du maraîchage et on fait aussi un peu de châtaigne. Et c'est vrai que à partir du maraîchage et des plantes, et ben, on fait on a amené une petite gamme de produits transformés qu'on transforme nous-mêmes. Ça reste un peu du classique mais avec notre petite touche à nous. Quoi. Voilà, on a fait des recettes un peu particulières de soupe, on fait de la confiture de rhubarbe parce qu'on produit de la rhubarbe en plantes et puis après on a toute une gamme de plantes sèches, voilà, on aime beaucoup en fait. Alors pour les vendre, eh ben, on fait quelques marchés, en général plutôt on fait un ou deux marchés en été, enfin qui sont réguliers sur l'été, juillet, août, et puis sinon parfois un marché en hiver, et donc cette année c'est celui-là. Quoi. Vous faites aussi la vente directe à la ferme? Oui, tout à fait, ouais, on peut vendre, enfin vous pouvez venir directement chez nous, donc on habite Juvinas, je l'ai peut-être déjà dit, et voilà. Et vous avez le système du panier? On ne fait pas vraiment un système de panier, mais on fait un système différent qui permet aux gens de nous contacter soit par téléphone, soit par internet. Et nous, on leur propose tout ce qu'on a, et après, c'est eux qui choisissent ce qu'ils ont envie. On fait quasiment tout à la main. Quoi. Alors nous, on aime beaucoup, mais c'est vrai que on c'est... On peut en vivre, bien mais sûr. Il faut retrousser les manches. Oui, bien sûr, mais à partir du moment où c'est quelque chose qui plaît, je crois qu'on... Voilà, quoi, il n'y a pas de... Nous, ça nous plaît, quoi. Ouais. Bonjour. Alors, je suis Alice Angers, avec mon compagnon Maxime Herbeau. On a la bergerie du Pont Bossu, sur la commune de Montpezat-sous-Bozon, en Ardèche. Et on élève des brebis en agriculture biologique. On produit des agneaux en entier ou en colis, en direct. Et on fait aussi des merguez, des saucisses et aussi des saucissons. On a un atelier transformation laine où on produit des échevaux de mérinos d'Arles, donc une partie de notre troupeau. Elle est transformée en France, donc lavée à Saugues et filée à la filature de Feltin en Creuse. Et après, nous avons des marchés, nous vendons en direct des pulls, des bonnets et de la laine à tricoter. On est installé depuis 4 ans maintenant sur la commune de Montpezat-sous-Bozon. On a repris l'exploitation de l'oncle de Max dans l'idée de développer le troupeau et d'entretenir le paysage ardéchois qui demande d'être pâturé. Voilà un peu notre exploitation. Merci Alice et bonne fête. Bien, bonjour, donc Bernard. Bonjour Bernard. Nous, on est l'école associative L'Arrosoir à Ussel. Oui. C'est une école inspirée pédagogie Steiner, Waldorf.
Et du coup, là, c'est un peu la vitrine de l'arrosoir. On présente des livres pour les enfants, des livres pour les parents. Et on vend un peu de tout pour faire connaître un petit peu l'arrosoir. Alors, vous avez par exemple tout ça, c'est des créations artisanales qui ont été faites soit par les parents, soit par les anciens parents, ou soit par des amis. Et donc tout ça, c'est donné bénévolement à l'arrosoir. Il y a des produits que les parents d'élèves font. Et il y a d'autres produits qui viennent de la Fédération Steiner, donc par exemple la cire, c'est le matériel pédagogique qu'utilisent les enfants à l'école, la cire, les crayons, la laine cardée. Là pour l'instant il y a une vingtaine d'élèves. Et voilà. Au niveau d'où ils viennent, est-ce que c'est à peu près tout du bassin albenacien? Ah ouais, tout à fait. Ouais. Il n'y a personne qui dans la mesure où nous sommes ici sur un marché local. Ben nous, c'était vraiment un moyen de venir ici pour présenter, parce que ça, c'est en fait le stand de l'arrosoir, c'est la seule vitrine physique qu'on a. Sinon, on est disponible on peut nous voir sur internet. Là, il y a des petits. Eh bien, on va vous laisser. Eh ben, merci. Et bonne préparation pour les fêtes. Merci. Bien, bonjour, donc Bernard. Bien, une découverte là, une bière locale. Où est-ce que vous êtes réellement? On est à Chirol. À Chirol. Ouais, Pont-de-Verrières. Et pourquoi ce lieu-là? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il y a pas mal de dynamique, il y a pas mal de choses qui s'y font. Et voilà. Donc ça prouve qu'en fait, localement, on est en capacité de recréer une activité. Ah, carrément, ouais. Parce que justement, à cet endroit-là, il y avait plus grand-chose. Et depuis, on a plusieurs activités qui se passent. Ouais. D'accord. Et donc là, c'est de la bière. De la bière, ouais. Et artisanale, on fait malterie et brasserie. Ouais. Malterie et brasserie. Et donc, avec du céréal local. Voilà. Le houblon. Là, c'est plutôt le céréal. L'orge et le blé qui viennent de la Gorse. Ah ouais. Un producteur en bio à la Gorse. Ouais. Pour faire une bière, on va dire pour qu'elle soit bien finie, il faut au moins un mois et demi à deux mois. Un mois et demi à deux mois, ouais. D'accord. Entre le tout début du grain brut jusqu'à pouvoir la consommer. On est vendu principalement en vente directe ou sinon sur des bars, restaurants, un peu de l'événementiel avec la bière pression. Et on commercialise à 50 km à la ronde. 50 km à la ronde. On va dire des vents jusqu'au col de l'Escunet. Voilà. Donc vous correspondez vraiment à ce qui est de dire on fait du local pour consommer local. Pour le coup, oui. Bon. Bon Noël et puis à bientôt. Bien bonjour, donc Bernard, vous êtes ici sur ce marché et vous nous proposez certains produits. Oui. Déjà, comment vous appelez-vous et d'où venez-vous? Moi je m'appelle Joyce, je suis des Pays-Bas d'origine, oui. Mais maintenant je suis arléchoise parce que ça fait longtemps que j'habite ici. Et voilà, je vis à Vals-les-Bains. Donc je fais des birap. En fait, des birap, c'est des emballages à base de cire d'abeille. Ah oui, je connais. En fait, j'ai des ruches et quand j'extrais le miel, j'ai des restes de cire. C'est de la cire d'opercule. Et cette cire d'opercule, on peut le faire fondre. Il faut le laver, il faut le traiter comme il faut. Et après, j'induis le tissu avec cette cire qui contient aussi du propolis, qui est antiseptique. Et ça marche super bien pour plier. Il y a un peu de résine aussi, hein, parce que je prends les résines des pins qui poussent chez moi, que je fonds avec. Ça donne un peu de rigidité. Et on peut faire un petit paquet comme ça. D'accord. Voilà, pour conserver les éléments. Un bout de fromage. Fait, c'est pour, ça remplace quoi le fameux sélo frais là? Voilà. C'est l'eau frais qui, lui, on ne sait pas quoi faire et qu'on rejette bêtement à la poubelle après. Alors que celui-ci, il se réutilise très souvent. Oui, on dit qu'on peut l'utiliser 100 fois. 100 fois? Oui. Ce format, c'est le format moyen. Il fait 25 cm. D'accord. Voilà. Ça, ouais, c'est pour faire. Et le petit papier, ça explique comment il faut traiter le produit parce qu'il ne faut pas utiliser de la chaleur. Parce qu'avec la chaleur, la cire est fondue. La cire, oui, n'apprécie pas trop. Ça, c'est une pomme, c'est un pateloup. C'est une pomme de l'Ardèche qui est surprenante parce qu'on dit que c'est les griffes du loup qui a attaqué. Ah, c'est pour ça qu'il y a pas. Donc la pâte loup, on peut aussi le conserver. Là-dedans. Voilà, et puis ça sent bon, c'est naturel. Voilà. Et c'est antiseptique. Et puis dans mon jardin, j'ai des plantes. Alors je fais aussi un petit peu de plantes sauvages, mais je commence juste un petit peu avec. Petite récolte. C'est très bien. Voilà. Bien, il nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon Noël. Merci beaucoup. Au revoir. Et puis, je vais vous laisser vous présenter. Moi, je m'appelle Marie-Claude Liougeard, j'habite à Privas et je fais partie des faucheurs volontaires de l'Ardèche. Voilà. Volontaire, hein? Voilà, volontaire. Volontaire. Ouais.
Bonjour, moi je m'appelle Marion, je fais aussi partie des faucheurs volontaires. Et du coup, voilà, on vend quelques produits au bénéfice. Voilà. Alors, il y a des préservatifs, monsieur, ça peut oui. toujours rendre service. Ça peut rendre service. Voilà, préserver vos semences, voyez, c'est marqué. Ah oui, oui, oui. À un certain âge, c'est bien les préserver. Ils ne sont pas comme avec votre voisine, là, qui fait des petits trucs en résine de miel, là. Non, parce que ça craint un peu le chaud. Non, ça craint pas le chaud, ça. Ça craint bon, ni le chaud, ni le froid. On savait qu'à un certain âge, pour voyer le troisième âge, oui. notre catégorie a fait la mienne, préserver ses semences, c'est pas mal. Voilà, ouais, ouais. Si c'est une bonne idée. On vend du pinard aussi qui va avec les semences. Ah, ouais, ouais. Et puis du jus de pomme, bon. Voilà. Voilà. Et est-ce qu'il reste encore beaucoup de boulot au niveau fauchage? Ah ben oui. Hein. Ou si c'est ça, c'est de plus en plus ou... Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce qu'il faut faucher de plus en plus? Je pense toujours. Oui, vu les nouvelles normes européennes, je pense que oui, on n'est pas prêt de baisser la garde. On ne se limite pas forcément au département, en fait, quand il y a des actions, D'autant que actuellement nous vivons encore de nouveau sur le néo-quotidien qui ont été tolérés. Donc je pense que la nécessité d'intervenir ne manque pas. Sur toute la France. Oui, mais, oui, mais il va y avoir un référendum. Ah bon, mais ça, alors c'est incroyable, ça, on est beau bourrant. Enfin bon, c'est les grands mots, mais oui. Est-ce qu'ils vont guérir nos petites difficultés? Je ne sais pas. Ah bon, nous, on est content d'être faucheurs en tous les cas. Enfin, moi, en ce qui me concerne, voilà. Oui. C'est essentiel. On est une bonne bande, et puis, voilà. Oui. Bah, merci. Bien qu'on partage, dans l'idée de faucher. Hein. Et puis, on recrute, si ça vous branche. C'est vrai, mais ce serait peut-être avec plaisir. Hein. Ben oui, venez, nous, au lieu d'aller couper le gui avec notre serpette, on peut peut-être faire autre chose. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon Noël à vous. Plan Pierre. Plan Pierre. Et votre activité? Mon activité, j'en ai fait plusieurs. En premier, j'étais cultivateur. Cultivateur, ça c'est... À Saint-Michel-de-Boulogne. Saint-Michel-de-Boulogne. Oui, au château de Boulogne. Et c'est là que j'ai appris à faire des paliers. Et vous l'avez appris tout seul ou... À l'aide de mon père. Ah, votre père est lui-même déjà... Mais disons que là, l'hiver, là, chez nous, là, bon, à part les bêtes... L'hiver, il n'y avait pas grand chose à faire dans les champs. La veillée, on s'occupait. Ouais. On triait les châtaignes, il était le moment, on faisait un peu de vannerie, mon père faisait les paniers. Et moi, curieux comme un pape, je le regardais faire. Et j'ai appris comment ça. Et à 10 ou 11 ans, combien de paniers, monsieur, il y avait une cheminée à la maison. Je finissais le panier, il ne me pesait pas un coup de pied, je m'en chauffais. Eh oui. Et donc, pour faire un panier, donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Des repousses de châtaignier, de 2, 3, 4 ans. Oui. Il faut bien connaître le bois. Le couper en bord de lune, en lune descendante, pour faire les équises, les lanières. Les lanières, oui. Quand c'est encore bien frais. Une fois que vous l'avez déligné, que vous l'avez chauffé, que vous l'avez partagé, faire des épaisseurs, le tenez humide et l'employez de suite. Il sèche tout seul sur le panier. Vous produisez, vous vendez un petit peu localement? On en vend, on en donne, on en brûle. En campagne, vous en avez pour aller au jardin, ramasser les fruits, ramasser les châtaignes, tout. Un panier, ça sert. Et j'ai appris à rempailler les chaises. Et en repaille. Mais c'est pas du coup du châtaignier, par contre. C'est de la paille, la vraie paille de chaise qu'on paillait ancien temps. D'accord. Et on la récupère où cette paille? Ah, au bord de l'eau. Des fois au bord de l'eau quand on en trouve un peu. Ah ouais. Et c'est du carré qu'on appelle ça. Le carré. Vous la coupez en bonne. Il faut la couper au mois d'août, là, en bonne lune aussi. Ça y fait beaucoup. Et vous la faites sécher, vous la triez, vous la faites sécher. Là par contre vous faire sécher là. Vous la faites sécher. Alors, donc une chaise locale qui peut durer donc un bon temps. Oh, ça dure assez longtemps. Oh. Eh bien, merci. On vous remercie pour ces informations. Merci. Et au revoir et merci. Alors, moi c'est Émilie et mon mari Pierre-Julien. Bonjour. On est à La Bastide-sur-Besorgue.
Et donc on produit des légumes qui ne sont pas présents aujourd'hui sur le stand, mais par contre on a amené quelques produits transformés de légumes ainsi que des produits de la châtaigne, donc confiture, farine de châtaigne, etc. Et on arrive à la Bastide il y a 4 ans et on a démarré l'activité agricole il y a 3 ans. On était sous le charme de cette région-là, on voulait cultiver des légumes, donc on a trouvé un terrain qui s'y prêtait là-bas, un tout petit terrain, on ne cultive pas sur une grande surface, on est plutôt dans l'esprit qu'on a tendance à appeler permaculture, agroécologie, etc. Et du coup, voilà, on a trouvé le terrain qui allait bien dans cette région qui nous plaisait beaucoup. Il y avait aussi quelques châtaigniers sur la parcelle, donc on a profité pour faire quelques produits de la châtaigne. Ouais. Encore assez technique pour proposer suffisamment de légumes pour fournir les gens tout au long de l'année. Mm-hmm. Donc en ce sens-là, j'ai encore une marge de manœuvre pour fournir des légumes l'hiver, par exemple. Ouais. C'est plutôt la production qui reste à augmenter, mais c'est sûr qu'elle s'écoule sans difficulté localement. Mais le fait d'arriver à faire du légume et aussi du produit transformé est aussi quelque chose qui permet quand même d'asseoir l'activité tout au long de l'année. Oui, bien sûr, et puis ça permet aussi de valoriser les légumes qu'on n'arrive pas forcément à vendre le jour J, etc. D'accord. Quand on les transforme, donc forcément, on les valorise un peu plus tard. C'est bien. Bien, ma foi, à déguster donc pour ces fêtes de fin d'année, et puis en vous remerciant. Merci. Et à bientôt. À bientôt, bonne journée. Je suis Aline Debro, je suis céramiste à Jaujac. À Jaujac. Oui. Ah, mais au pied du volcan, alors. C'est ça. Et la céramique au pied du volcan, c'est particulier, je suppose. C'est pas la même roche, c'est pas les mêmes... Moi, la terre que je travaille, elle n'est pas locale. C'est de la terre que j'achète. J'ai de l'inspiration et des paysages pour ça, éventuellement, voilà. Mais voilà, la terre n'est pas locale. C'est pas la pierre du volcan non. qui permet non, non, ça. Non. Parce qu'il vous faut quoi? Il faut que de la terre argileuse. Oui, il faut de la terre, mais qui a été déjà traitée, où il n'y a plus de résidus, qui a été suffisamment humide pour qu'elle soit malléable. Donc c'est tout un travail, on peut le faire, mais moi j'ai pas le temps. Voilà. Mais c'est plutôt de la terre argileuse quand même. Mais c'est de la terre argileuse. Oui, chose qui est quand même un peu rare à trouver dans nos oui, contrées. Oui, c'est parce ça. On a un massif granitique et ça ne donne pas J'étais bien du calcaire. En Bourgogne avant, c'était plus adapté. Ouais. D'accord. Donc vous êtes installé depuis longtemps sur Jaujac? Depuis 2019. Depuis 2019. Ouais. Donc ça fait 2 ans pratiquement. C'est ça. Bon. Mis à part cette année qui est un peu, on va dire, particulière, est-ce que vous sentez que l'activité que vous avez lancée vous permet de vivre localement? Alors, pour l'instant, moi je ne fais pas que ça. Oui. Parce que ça fait un peu peur de plus. Mais je pense que oui, il y a quand même du potentiel. Il y a quand même de nombreux touristes à Jaujac l'été et tout ça. J'imagine qu'il y a peut-être pas suffisamment de quoi vivre, mais. Oui, mais ça, c'est quand même un bon compliment. C'est ça. D'accord. Je fais du maraîchage bio à côté. Mmh. Voilà, au niveau maraîchage, c'est du maraîchage qui marche bien. Ouais, ça marche bien. Et il y a eu la MAP à Jaujac. Ah, d'accord. On a la MAP, les marchés, il y a un magasin de producteurs aussi à Jaujac. D'accord. Donc tout est vendu vraiment de façon locale. Local. Donc votre place est bien ici dans ce marché. J'espère. Ouais. Tout à fait là. Eh bien, on vous remercie encore et puis bonne fête de fin d'année. Merci. Et à bientôt. Au revoir. Bonjour. Bonjour, donc Bernard. Je vous laisse vous présenter.
Je m'appelle Rémi, je suis forgeron de boutelier à Villeneuve-d'Aubert en Ardèche. Villeneuve-d'Aubert, donc c'est tout proche d'ici. C'est tout proche d'ici, oui, voilà. Une vingtaine de kilomètres. Ouais. Et vous êtes installé à Villeneuve-d'Aubert dans votre activité depuis longtemps ou... Depuis le début de l'année. Depuis le début de 2020. C'est ça, je suis mis à mon compte en 2020. Ah, vous êtes mis à votre compte. Voilà. C'est votre activité principale ? C'est mon activité principale depuis cette année. Voilà. D'accord. Et sans indiscrétion, avant vous étiez... J'étais SIAP, sécurité incendie. Pas du tout, d'accord. Ah oui. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à vous installer sur Villeneuve-d'Aubert ? C'est des connaissances C'est que je suis originaire de la ville de Dieu, du coup, je n'ai pas voulu quitter le pays. Donc, voilà. Donc vous êtes resté donc, sur la production locale pour des gens, des locaux. C'est ça. Et est-ce que les produits, donc, vous nous dites, vous faites essentiellement des couteaux, vous faites aussi d'autres choses ? Que des couteaux. Donc, forgé à la main, donc bien sûr. Ça suppose que vous avez une forge. C'est ça, forge à charbon, marteau et enclume, à l'ancienne. Voilà. C'est mon marteau de forge, là. D'accord. Et sans indiscrétion, il faut combien de temps à peu près pour forger, mettons, un couteau comme celui-ci, par exemple ? Juste à la forge, j'en ai pour une heure. Après, il y a les traitements thermiques. Il y a 4 traitements thermiques sur chaque lame, ce qui prend un certain temps. Ouais. En tout, il me faut une dizaine d'heures pour faire un couteau. Un couteau, d'accord. Et après, parce que bon, c'est bien de les faire, mais après, il faut quand même un petit peu les écouler et les vendre. Oui, c'est et sûr. Et est-ce que vous arrivez localement à un marché qui permet de... Oui. Du coup, j'ai pas mal de commandes en ce moment. Petit à petit, je commence à me faire mon petit réseau. Ça se passe bien. D'accord. Et donc vous arrivez donc localement à en vivre. Oui, pour le moment, oui, ça va. Ça va. Je me plains pas pour le moment. Donc c'est très bien. On n'est quand même pas obligé d'aller forcément à la ville si on veut. On peut effectivement s'installer ici, vivre localement et faire vivre localement une activité. Okay. Ben, merci et beaucoup. Et puis bonne fête aussi. Et ben, bonne fête également, merci beaucoup. Merci. Et je m'appelle Astrée. Et mon petit stand, c'est l'arbre enchanté. L'arbre enchanté. Pourquoi enchanté ? Parce que c'était un peu un jeu de mots entre mon compagnon qui est luthier, qui utilise du coup du bois, et l'arbre qui chante, donc ça fait de la musique. Tout à fait. Et donc voilà, les produits de la nature et les produits artisanaux. Ouais. Enfin, c'était un peu un nom improvisé, voilà. Des produits qui proviennent essentiellement de pas loin. De pas loin. La vallée de la Besorgue. La vallée de la Besorgue. Voilà. Peut-être un peu celle de la Molane. Oui, un peu aussi. Un peu aussi. Donc, surtout des produits enrichis avec cette eau si naturelle. Et du coup, j'ai fait une petite buvette avec du chai bio et du jus de gingembre au citron. Et des petits gâteaux sans gluten. Voilà. D'accord. Cette activité vous permet-elle de vivre Mais c'est mon tout premier marché et je viens juste de me déclarer cotisant solidaire. Il y aura plus d'agriculture plus tard et là pour l'instant c'est un peu un mélange. Donc c'est quand même un point positif. Et maintenant je garde des enfants à domicile. D'accord. Et c'est un complément, vous espérez que ce complément prenne de plus en plus de place? Pour l'instant c'est un petit complément, mais en fait on est en train de retaper une maison à Juvinas avec mon compagnon et donc c'est vrai que ça demande aussi beaucoup d'énergie et de temps et voilà, après petit à petit. Mais, voilà. D'ailleurs à Juvinas, peut-être qu'il faudrait aussi augmenter le contingent d'enfants pour ouvrir une école. Et oui, tiens, il y a de la demande. Bonne chose. Ouais. Voilà. Bien ma foi, je vous souhaite une bonne continuation, merci. Bonne chance, merci, et puis au plaisir et bonne fête. Merci, au revoir. Merci. Gaëtan Lacour, je suis artisan et je crée des bijoux en bois et résine. Alors, et vous êtes de quel endroit ? Je suis basé à Mirabel. Mirabel. Voilà, à la tour de Mirabel. La tour de Mirabel. Dans le village. Dans le village. C'est le fait d'être arrivé là qui vous a amené à faire ça ou vous le faisiez déjà précédemment ailleurs ? Non, je me suis mis à faire ça par passion du bois. Passion du bois, d'accord. Et au niveau bois, qu'est-ce que vous faisiez avant comme... Alors avant, je travaillais à la DAG. C'est une entreprise de canoës et kayaks qui est basée à Saint-Jean-de-Saint-Denis. Ah, Saint-Jean-de-Saint-Denis. Voilà. C'est des canoës en polyéthylène. Polyéthylène. Voilà. J'ai un petit atelier dans mon garage et je fabrique mes pièces chez moi. Et vous faites beaucoup de marchés. Enfin bon, cette année, c'était compliqué avec le Covid. Mais oui, j'essaie de faire les marchés. Je vends beaucoup sur Internet aussi. D'accord. Ah oui, sur Internet. Sur Internet. Et... Au niveau
vendent sur Internet, vous voyez que c'est des gens qui sont par ici. Ça commence un peu à s'agrandir. Parce que vu qu'il y avait le coronavirus, en fait, je me suis mis sur des marchés de Noël virtuels qui touchent pas mal de monde dans la France. C'est pas vraiment que l'Ardèche. Mais toute la production provient d'ici. Toute la production est ardéchoise. Voilà. Oui. C'est que de l'olivier. Que de l'olivier. Après, il y a un peu du châtaignier et il y a un peu de bois de cocotier. D'accord. Mais pour l'olivier, vous le prenez, puisque si vous êtes sur Mirabel... Après, j'ai des champs d'olivier, Des champs d'olivier, J'ai des vieux champs d'olivier, donc je récupère mon bois. Bonne fête de fin d'année. Merci, à vous aussi. Alain, apiculteur, donc à la Viole. À la Viole. Il y avait la fête du mouton, au moment donné, de l'agneau. La foire aux agnelles, qui est toujours au mois de septembre. Au mois de septembre, voilà, oui. D'accord. Et donc à la Viole, votre rucher, il est installé où? Dans le village, il y en a une partie qui est dans le village, en dessous de la maison. D'accord. Et une partie qui est de l'autre côté de la Volonne, au hameau du Fournier. Ouais. D'accord. Et ça va, là, et donc il y a deux miels qui sont légèrement différents. Mm-hmm. Celui-ci, c'est fleur des champs châtaignier. Et celui-ci, fleur des champs châtaignier plus tilleul, en fait. Tilleul. un peu plus doux. Ouais. Et vous faites une ou deux, trois récoltes dans l'année? Non, chacune récolte. Une seule récolte. Dans le courant du mois de juillet. Juillet, ouais. Vous ne transhumez pas? Non. Vous restez tout donc en gros. Si je me développe, là je suis apiculteur depuis 3-4 ans, depuis que je suis en retraite. Je voulais chercher une activité donc pour occuper ma retraite. J'ai envie de m'occuper des abeilles. J'ai fait le stage donc de Mirabel avec le GDSA. Oui. Des gens qui sont très passionnés et qui savent transmettre leur passion. Donc, ouais. La formation en apiculture rassemble des gens du Sud-Ardèche, principalement. Oui, principalement du Sud-Ardèche. Ouais. Moi, disons que la science est dans une région privilégiée. Quoi. Ouais. On a un apiculteur, mais donc qui est éleveur mouton, qui ne fait pas des cultures, qui n'utilise pas de pesticides. Donc j'ai pas de problème avec le pesticide, j'en aurais plus maintenant, je commence à en avoir avec le frelon asiatique un peu. Ouais. Ah. Mais autrement, non, les pesticides, nous on est épargnés de ce côté-là. Et le varroa? Le varroa, ça, tout le monde en a plus ou moins maintenant. Mais on fait un traitement toutes les années. Toutes les années. Merci et à puis, vous. Bonne continuation et bonne fête de fin d'année. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci à vous. Bonjour. Alors, je m'appelle Arnaud Florence. Mon exploitation a démarré cette année. Je m'appelle aux quatre saisons. Et voilà, je fais du bio tant que je peux. J'ai repris des terres en friche. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, mon histoire n'est pas encore rentable. Je donne 3 ans pour que ça le devienne. Et je compte sur tout le monde pour me soutenir. Et au niveau produits, vous faites des produits tout au long de l'année ou... Oui, je produis toute l'année, légumes d'été, des légumes d'hiver, vraiment les légumes de saison qui nous apportent les vitamines dont on a besoin pour la saison en question. Et est-ce que vous arrivez à écouler tous les produits que vous fabriquez? Oui, pour l'instant je fais que des petits marchés parce que je n'ai pas encore la quantité nécessaire pour faire des gros marchés. Et je compte m'investir dans le marché d'Aubenas samedi matin à partir du printemps. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que toute la difficulté elle est là, c'est d'arriver à ce que tous les produits soient pré-vendus parce que sinon... Voilà. On a toujours de la perte, les produits bio direct producteurs, en sachant que un produit qui vient d'être coupé en 3 jours, il a perdu plus de 20% de ses vitamines. Si on les passe en chambre froide, c'est encore un gros pourcentage de vitamines qui sont perdues. Donc voilà, on essaye de récolter frais, de vendre frais au maximum, bien sûr en utilisant le moins de plastique possible. Au niveau gustatif, c'est quand même autre chose. Donc la clientèle, enfin les personnes qui vous achètent, puisque vous restez pour le moment local, est-ce que ces personnes-là
apprécient justement ces produits. Je commence à avoir des clients très réguliers qui sont vraiment contents. Ils retrouvent des goûts, ils retrouvent des produits qu'ils ne connaissent pas, comme les panais par exemple. Donc c'est, pour vous, c'est prometteur. Mais c'est prometteur. Plus on aura de producteurs locaux, plus on pourra offrir des bons produits à nos clients. D'accord. Voilà. Parce que plus on fait l'intensif et plus on est sujet aux parasites, aux maladies et à utiliser les produits. Donc il faut ce mélange de culture, d'alternance, de culture, de plantes qui se protègent mutuellement pour revenir à ça. À vous remercier, vous souhaitez de bonnes fêtes parce que vous les méritez. Hein. Bonnes fêtes à tous. Vous avez travaillé dur, donc à bientôt. Merci, à bientôt. Posez les questions. Bonjour. Laurence. Et donc, vous faites des rempaillages de chaises, mais d'une façon un peu originale, hein, il me semble. Oui, alors, c'est un grand-père, Louis, qui m'a appris à rempailler. Et c'est un savoir-faire ancien qui s'est transmis. Et du coup, j'ai voulu faire de la création avec du tissu et des couleurs. Donc c'est du rempaillage avec du toron et du tissu, ou tout en tissu. Ça recycle le tissu avec des housses de couette d'occasion. Et ça relouque les chaises. Au lieu de les mettre à la déchetterie, un autre éclat pour les chaises. Donc on a à la fois un mélange de végétal et de tissu. Hein, oui. Et donc ça redonne un éclat aux chaises. C'est un savoir-faire particulier. Oui. Et donc, vous faites ça depuis longtemps ? Depuis 2012. Et en fait, j'ai voulu faire, au niveau du rempaillage, de la création dans ce savoir-faire. Et la clientèle, en fait, elle choisit aussi, elle choisit le modèle qu'elle souhaite de voir en toron, tissu ou en tissu. C'est elle qui choisit. C'est pas moi qui impose. C'est une passion de faire ça. D'accord. Et vous vivez sur le coin ? Oui, voilà. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci. Passez une belle journée. Merci. Au revoir. En fait, l'initiative du marché, elle vient du collectif Plus Jamais Ça, qui est un collectif qui s'est créé il y a 3 mois maintenant, en Sud-Ardèche, et qui réunit une bonne trentaine d'associations, de syndicats, d'organisations et de citoyens, et qui ont décidé de se retrouver pour essayer ensemble de faire des choses pour changer la vie, parce qu'on trouve que ça suffit. Et en ce sens, on se rapproche à une démarche nationale qui s'appelle aussi Plus Jamais Ça. Voilà. Et justement, avec ce Covid, les gens, et notamment tous les habitants de notre territoire, sont privés de liens, sont privés de rencontres. Et parmi les mesures qui sont avancées par ce collectif, celles concernant l'agriculture et l'alimentation préconisent de favoriser et de développer tout ce qui est vente directe, et afin de permettre aux agriculteurs de vivre décemment de leur production. La solidarité, c'est la solidarité des citoyens et des gens qui travaillent sur le territoire entre eux. Quoi. Voilà. Notre avenir, il est lié. Il faut qu'il y ait des gens qui travaillent sur notre territoire et qui produisent sur notre territoire si on veut faire évoluer les choses. Et il faut que nous, citoyens habitants sur le territoire, on soit solidaires des gens qui produisent pour qu'ils puissent en vivre et qu'on puisse créer, on va dire, un cercle vertueux dans l'avenir sur notre territoire, qui soit autosuffisant, si c'est possible, comme avenir. Quoi.